close to me. Haven't you close to me? Amazing. C'est l'histoire d'un Français qui a su s'imposer en 10 ans comme l'une des stars NBA et le maître des lieux ici à San Antonio, comme si son chemin était tout tracé. Les Spurs, une franchise qui truste les premières places depuis plus d'une décennie. À 30 ans et avec 3 bacs de champion NBA au doigt, Parker joue sans aucun doute son meilleur basket. Ce soir-là, San Antonio reçoit les Chicago Bulls, incontestables leaders à l'Est. Parker retrouve Joachim Noah 6 mois après les championnats d'Europe en Lituanie et leur médaille d'argent avec les Bleus. Tony Parker, c'est quelqu'un qui a gagné des titres en NBA. Il a joué dans tous les gros matchs. C'est quelqu'un qui comprend ce qu'il faut faire pour gagner. Ça, il l'a fait avec les Spurs pendant des années. Pour moi, c'est ça que je respecte le plus avec lui, tu vois. C'est sa carrière NBA, elle est incroyable. C'est beau, ça, de pouvoir jouer avec... Ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'il joue avec Tim Duncan, Manu Ginobili. C'est cette expérience que tu vois pratiquement plus en NBA. C'est rare, quoi. De toute façon, je l'ai toujours dit que si moi, Tim, Manu, on avait gagné 3 titres en 5 ans à New York ou à Chicago ou à LA, on serait les rois du monde. À peine rentré des festivités du All-Star Game d'Orlando, Parker doit se remettre au travail. La saison NBA est courtée et très éprouvante pour les organismes. Mais le Français tient toujours debout. Ce soir-là, le défi est de taille. Il faut affronter un favori pour le titre, les Bulls, emmenés par Derrick Rose, le meilleur joueur de la saison dernière. Un duel de meneurs qu'affectionne Parker. Les deux hommes se répondent coup pour coup. Et un final qui sourit aux Bulls de Joachim Noah. Les Spurs s'inclinent seulement pour la 2e fois en 13 matchs joués en ce mois de février. Il est minuit bien passé. La journée n'est pas encore finie pour Parker qui, de retour chez lui, doit passer entre les mains de Fabrice Gauthier, l'ostéopathe de l'équipe de France. Basé à Los Angeles, il a fait le voyage express jusqu'à San Antonio pour une séance de 30 minutes. Mais un autre Français, Boris Diaw, est en ville. Il vient d'atterrir à San Antonio avec les Bobcats. La nuit de l'ostéopathe s'annonce peut-être bien plus chargée que prévu. Et la pitch. Il y a un embrouille, là, je crois, avec Fabrice. Hein, parce que tu vois, en plus, il a soigné Joachim cet après-midi et après, il nous péta après. Il y a un embrouille. Donc je sens ta douleur, tu vois. Bah, c'est Antonio. Ah, d'accord. Il déplace par l'hôtel, c'est à côté de l'aéroport. Je te paye le taxi. Je te paye le taxi aller et retour. Tu veux qu'il vienne? Moi, il a fini dans 20 minutes, là. Tu veux qu'il vienne? Ouais, pourquoi pas. Bah voilà. Par contre, je dors dans ta chambre et je partirai de chez toi après, pour l'aéroport. Il part à 4h du matin après l'aéroport, donc c'est sur le chemin, c'est sûr. Bah ouais, sur le chemin, tranquille. Bah alors, moi, je te vois demain, alors. À tout à l'heure. Cool. Ouais, ciao. Tony s'occupe bien de lui, il est sérieux, il fait attention à ce qu'il mange, il respecte le sommeil, il respecte plein de choses. Et s'il doit faire la saison jusqu'au bout, jusqu'au final et enchaîner les JO, c'est clair que derrière, il y aura besoin d'avoir un moment de repos. La cheville, elle est tenue par 3 gros ligaments et il ne m'en reste plus qu'un seul sur ma cheville gauche. Donc il faut vraiment que je fasse tout le temps ma muscu, tout le temps le renforcement musculaire sur ma cheville gauche parce qu'il ne me reste plus qu'un ligament. J'ai pris un coup là, c'est plus comment violer mon pouce.
T'as glacé après ou quoi? T'as pris le coup, c'est un hématome. Ouais, c'est un hématome, mais tu vois, il est bleu vieux. Ça fait mal. Un petit peu. Mais là? Ouais. Ton corps, il s'endurcit. Ton corps, il claque, t'as senti? Ton corps, il... à force de prendre des coups, ton corps, il s'adapte. Donc, il devient plus dur et tu résistes aussi mieux aux coups. Et je pense qu'il a eu la chance très tôt d'avoir sa maman qui l'a mis en contact avec, avec l'ostéopathie. En fait, moi, j'avais 19 ans, ma mère elle m'a introduit à un Jedi. Un Jedi de l'ostéopathie. Et Patrick Basset. Ouais, Patrick Basset, il est super fort. Donc c'est pour ça que tu me disais, est-ce que c'est quelqu'un qui me donne beaucoup de travail? Non. Non, c'est pas... Parce que c'est un sportif qui fait attention. Plus de la maintenance. C'est de la maintenance, c'est de la prévention. Yeah, good. Glacera demain. Ou tout à l'heure. Et ça n'a pas trop gonflé sur le... Non, mais je pense que t'as pris surtout un coup... Tu te l'es pas tordu, quoi. Non. T'as pris un pet dessus. Ok. Bon. Très bien. Bah, dans deux semaines. Ouais. Deux, trois semaines. Le lendemain, Parker et Diao déjeunent avec le sélectionneur de l'équipe de France, Vincent Collet, venu aux États-Unis leur présenter le programme de préparation en vue des Jeux Olympiques. Moi, j'adore quand Vincent est bien avec Patrick, on peut parler du programme, des entraînements, ce qu'on va faire, combien d'entraînements par jour, combien de temps de récupération, tous les trucs qu'on va faire à l'INSEP. Et donc, c'est vrai que c'était très, très constructif parce qu'on a parlé plein de différentes choses. C'est maintenant qu'on leur présente vraiment ce qu'on va faire. Il est très content parce qu'une de ses requêtes, c'était de beaucoup jouer en France. Parce qu'on voulait que les gens, justement, profitent de notre équipe, qu'ils puissent nous voir. Et c'est vrai que là, ça va être génial. Là, ça va être un peu les Beatles. Là. On va faire une belle tournée en France et je suis content. L'objectif du staff, c'est que les joueurs soient le plus frais possible pour attaquer les Jeux le 27 juillet. Le soir, c'est chez Tony que se prolonge cette réunion autour des Jeux. Un champion olympique va s'inviter aux discussions, le handballeur Olivier Giraud. Alors, Olivier, on est là. J'ai vraiment l'impression que c'est cette semaine que les choses commencent parce que j'ai pu mesurer justement leur engagement à tous, à Nicolas il y a 3 jours, à Joachim hier, Tony et Boris aujourd'hui. Et on sent que tous sont sur la même longueur d'onde, qu'il y a vraiment une forte envie de confirmer ce qui s'est passé l'an passé. Donc j'espère que ça sera de bon augure et qu'on aura la capacité à aller au bout de nos objectifs. La Dream Team, ça a marqué tout le monde en Europe avec Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Moi, c'est là la première fois que j'ai regardé les JO et c'était vraiment un moment inoubliable en tant que basketteur. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je me suis dit, hein, j'aimerais bien y aller avec la France et jouer contre les États-Unis en finale. Ce serait une finale de rêve. Et moi, c'est ça mon rêve. J'aimerais trop jouer les États-Unis en finale. Un titre NBA ou une médaille olympique? Qu'est-ce qu'il a répondu à votre avis? Je pense une médaille olympique. C'est ce que je pense. Un titre NBA ou une médaille au jeu? Une médaille au jeu. Mais bon, tu sais, tu me connais, moi je suis un compétiteur, j'aimerais faire les deux. Il n'y a pas un jour où Tony ne parle pas des Jeux. Il a cette flamme en lui, participer pour la première fois à cette compétition et surtout revenir de Londres avec une médaille olympique autour du cou. Mais avant les Jeux, il y a un titre NBA à aller chercher pour Parker et les Spurs. Des tribunes, le staff tricolore a une vue imprenable ce soir sur le match entre les deux meilleurs amis du monde. Parker brille avec les Spurs et Diao, pas encore transféré au moment du tournage, s'enlise lui avec les Bobcats. Tony, à 30 ans, est au sommet de son art. Plus rien ne m'étonne, de toute façon, avec Tony. Il ne cesse de se dépasser depuis le début de sa carrière. Il est en constante progression. Il arrive à associer ce qu'il était auparavant, à savoir ses capacités de perforer une défense, de percussion qui sont uniques, sa vitesse et puis ses gestes comme le teardrop qui lui appartiennent.
en amenant en plus une dimension de meneur à l'européenne, européenne Euroleague. Et de plus en plus, il fait attention à contrôler le tempo, à parfois mettre en avant ses partenaires pour être après plus important dans les moments décisifs. Et je crois que ça, c'est un signe de maturité et de progression. Donc ça peut paraître un peu bête ce que je dis, parce que quand on parle d'un tel joueur, dire qu'il est en train de progresser encore, mais je crois vraiment que c'est ce qu'il est en train de faire depuis ces deux dernières saisons. Je pense que c'est le meilleur basket que j'ai vu mon fils faire depuis longtemps. He's having a great season, unbelievable season. MVP candidate for a large part of the season, and he's been a huge reason for their success. He's getting better and better, you know, and the Spurs are lucky to have somebody like him, but more than that, city of San Antonio is lucky to have him. Now Parker, yes sir. Parker controls, drives on Jack, scores on Jack. Tony Parker réalise tout simplement sa meilleure saison, 10 ans dans la Ligue et déjà 800 matchs dans les jambes. Parker étonne aujourd'hui par la régularité de ses performances. Parker, with that great quickness, beating Meeks to it. Au mois de février, il tourne à plus de 23 points et 8 passes par match. Et déjà, on parle de lui comme candidat au titre de meilleur joueur de l'année. Splitter on the inside. Tous les soirs, il va te donner quelque chose. C'est une machine. Il ne s'est pas arrêté de jouer. Il a fait tout l'été avec l'équipe de France. Il a été régulier dans le meilleur 5 européen. C'est énorme. Après, il joue avec l'ASVEL. C'est une machine. Des fois, moi, je ne sais pas comment il fait. Pour moi, il n'est pas normal. Donc, je sais pas. Il n'est pas humain. Parker spins. Oh. Il y a les moments chauds, bah, il sera toujours là. Et ça, c'est la mentalité de gagneur et c'est la mentalité qu'on a de notre père. C'est notre côté américain. C'est qu'on n'a pas peur quand on joue au basket. Voilà. On est là, on n'a pas peur. Il peut jouer en Europe, il peut jouer n'importe où. Il jouera pareil et tu peux pas l'arrêter. Il s'offre même face à Oklahoma, le grand rival à l'Ouest, son match référence. Et je bats le record de passes de la franchise. Je bats Avery Johnson et je mets 42 points sur Oklahoma et sur Westbrook. C'est vrai que ce match-là, c'est peut-être devenu peut-être mon plus beau match de ma carrière. La salle des trophées. Empreinte digitale à l'entrée de cette pièce. Une salle des trophées à domicile où s'expose toute la carrière de Tony Parker. Maillot et bague de ses 3 titres de champion NBA, de ses 4 All-Star Games et médaille européenne avec l'équipe de France, ici tout brille. Plus tu avances dans ta carrière, et tu te dis, c'est dur quand même de gagner un titre. Il y a des bonnes équipes et il y a plein de grands joueurs qui n'ont jamais gagné un titre NBA. Et donc en 2007, le fait de gagner le titre et en plus de gagner meilleur joueur de la finale, c'était la cerise sur le gâteau. Je ne pouvais pas mieux faire. 2007, l'année Parker. Champion NBA, il reçoit le titre de meilleur joueur des finales, une première pour un Européen. J'ai l'impression que je vis un rêve là. J'ai l'impression que, tu sais, faut pas que tu me touches là, faut pas que je me réveille. D'avoir mon nom à côté de Jordan et Tim Duncan, tu vois, dans les MVP, c'est un truc de ouf, hein, franchement, un truc de malade. On pourra jamais me l'enlever. Hein. Là, mon nom, il sera gravé dans la liste des MVP à jamais, tu vois. Et... Je vais bien la mettre dans ma maison, t'inquiète. Avec 24 points et demi de moyenne, le Français crève l'écran sur ses finales. 4 matchs de folie face à Cleveland et LeBron James et derrière une parade à San Antonio devant 500 000 fans. Ce 3e titre a une saveur si particulière pour le Français. Parker est sur une autre planète. Yeah.
2007. Et donc, tu vois, diamant, Spurs. Là, il y a 4 diamants. Donc, en fait, là, c'est le rocher. Là. Il faut pound that rock. C'est la phrase de notre coach Popovic. Il adore dire cette phrase-là. Et il y a 4 diamants parce que 4 titres des Spurs. Parce que Pop et Tim, ils ont gagné aussi en 99. Et après, de l'autre côté, il y a mon nom avec mon numéro. Et 16 victoires, 4 défaites, c'était notre bilan pendant les playoffs. Et chaque bague, c'est un truc différent. Aux États-Unis, de la réussite sportive découle souvent la réussite financière. Parker a pu faire construire la maison de ses rêves sur 14 hectares. Depuis tout jeune dans le game, du basket à la scène, les efforts sont les mêmes, la compète dans les veines, maillon fort de la chaîne, le début de mon règne, le chemin de la gloire est long, parsemé de peines. Tu vois, la réussite tient à peu de choses, 20% de volonté, de sacrifice à haute dose, 20% de talent, 20% de chance, 20% de capacité pour mettre la concurrence. Fais-toi plaisir, gamin, ton destin est dans tes mains. 10% de fun, on est jeune. On a soif de victoire, on a du cœur. On n'arrête pas, ton hippie, frérot, j'ai le buzz. I know why, make sure my story's told. My story's told. I'ma give my all 100%, that's all I know. Ouais, j'ai rêvé d'une maison comme ça depuis que je suis tout petit. J'ai dessiné, j'ai fait tous les plans et après je me suis associé avec un architecte pour que ça tienne, hein, parce que je ne suis pas un pro. 1 an pour faire les plans et 3 ans pour construire la maison. Ah ok, so from my pro to the basketball. C'était un long processus, hein, ça a pris 4 ans tout pour avoir tout ça. Et maintenant je suis content d'avoir un endroit pour toute ma famille et ils savent que voilà, la maison c'est pour qu'on se réunisse et qu'on passe des bons moments. Jamais je vendrai cette maison. En 2010, je m'étais blessé à ma cheville, j'avais fait une grosse entorse. Et après, je m'étais cassé la main. Et donc, j'ai loupé 25 matchs et mon taux de graisse, il était monté. Et à San Antonio, pour les meneurs, il faut qu'on reste en dessous de 8%. Et j'étais monté à 10%. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre un chef pour être sûr que je mange bien. Parce que comme je commence à vieillir, il faut que je fasse attention. En prenant Cliffy, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Et maintenant, je suis à 6%. Donc, je fais vachement attention. Bon, on va rentrer dans mon bureau. Il y a ma légion d'honneur ici. Ouais, c'était sympa. C'est vrai qu'au début, je faisais le malin au début. Je disais, oh, ça va rien me faire. Élisée, je m'en fous. Enfin, je m'en fous entre guillemets. Hein. Bien sûr, c'est un honneur. Mais je disais, je vais y aller sans pression. Et c'est vrai que quand monsieur le président il est rentré dans la salle, tout de suite, ça m'a mis un coup de pression. J'ai fait, ah, quand même, hein, c'est le président de la France quand même. Après, j'ai ma photo avec Jordan quand j'avais 14 ans. Popovic, il me donne tout le temps des livres. Je crois que son dernier livre qu'il m'a donné, c'était Joe Montana, un des plus grands sportifs de tous les temps aux États-Unis, sur sa carrière et comment gagner des titres. Et donc Pop, à chaque fois, il me donne ça pour que je lise comment il faut être un bon leader, porter son équipe. Donc il m'offre des livres de leadership. Bon, voilà où je me repose, où j'essaye de négocier mes contrats avec Popovic. Parce que je sais qu'il adore le vin. J'ai des bouteilles, moi je crois que ma plus vieille c'est 80, je crois. J'en ai une de 82 aussi, pas mal, parce que à chaque fois mes amis ils m'offrent des bouteilles de mon année de naissance. Là, je mets mes petits jouets. Première voiture, c'était celle-là, 2007. J'avais toujours dit à mon père, je m'achèterais pas une belle voiture tant que j'ai pas été All-Star, parce que je voulais rester motivé et voilà, que je mérite une voiture comme ça. Donc en 2006, je suis All-Star et je dis à mon père, non, je vais pas l'acheter tout de suite. Je vais attendre que je confirme d'être All-Star et 2 fois de suite, là après, je me ferai ce plaisir-là. Ici, c'est ma salle des chaussures. C'est là où je garde toutes mes shoes. Et j'en garde quelques-unes, comme ça, c'est les chaussures de la finale contre l'Espagne. Et c'est les chaussures que j'ai portées pendant tout le championnat d'Europe. Donc je garde ça, je garde aussi mes chaussures d'All-Star. Ça, c'est les chaussures que j'ai portées pour l'All-Star de cette année, l'All-Star Game à Orlando. Ça, c'était l'All-Star Game à Phoenix. Je les ai gardées aussi. Donc je garde quelques chaussures, mais sinon, je donne tout à mes frères. Ils adorent les chaussures, mes amis, je donne tout.
Je pense que pour les Jeux Olympiques, on sera toutes rouges. Je pense aussi que je vais mettre les anneaux et un drapeau français. Je pense que je vais mettre sur ma chaussure. En sortant, on croise un invité de marque. Le rappeur américain Fat Joe et avec lui toute sa bande. Ils ont rendez-vous dans la salle de basket de Tony pour un match entre amis au fond du jardin. I got nicknames, man, the finisher, the silent assassin on the court, man. Come on. Tom, who's the team? Willie, Olivier, and my barber. Jeff. All right, so it's four, they got 4-2? Yeah, they got 4-2. Oh, shit, you got two fat guys on the team. La salle de basket est aussi un Hall of Fame, un musée par cœur. Tony expose et retrace ses exploits, ses titres à travers les unes de presse françaises et américaines. Voilà sa source de motivation, des images de victoires et de records. Et il ne semble pas rassasié. Le culte du sport et la réussite s'affichent sans la moindre arrière-pensée. J'espère que les gens comprennent que aux États-Unis, c'est dans la culture. En France, c'est vrai qu'on a du mal à le montrer, parce que, par peur peut-être, mais il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut juste être motivé par cette réussite et peut-être donner une vocation aux jeunes de se dire « moi aussi, je peux y arriver ». Parce que tout le monde peut y arriver si on, vraiment tu as du talent et tu travailles. C'est beaucoup de travail. Tony est en 2012 le 37e joueur le mieux payé de la NBA. 10 ans séparent ses images avec son barbeur et en 10 ans de carrière, le Français a empoché 120 millions de dollars de contrats avec les Spurs. L'argent n'est pas un sujet tabou pour Tony. La NBA brasse des milliards et de l'autre côté de l'Atlantique, on en parle plutôt librement. Tu sais, les salaires de tout le monde, c'est par an en fait. Et donc moi, en NBA, je gagne 12,5 par an. C'est mon salaire des Spurs. Après, t'as les sponsors, t'as tous les bonus, tous les autres trucs à côté. Selon une étude, 60% des joueurs NBA se retrouvent ruinés 5 ans après la fin de leur carrière. Un chiffre qui fait froid dans le dos. Pour Parker, aucune inquiétude à avoir. Tout est sous contrôle. Mon coach Popovic, il m'a présenté un business manager très tôt dans ma carrière. Et on a mis un plan pour être sûr que je ne suis pas dans cette situation-là. Parce que c'est vrai que c'est triste des fois quand tu vois les Antoine Walker ou Iverson qui ont gagné autant d'argent et que maintenant ils ont des problèmes d'argent. Des fois, même moi, je sais pas ce qu'ils font avec leur argent, je trouve ça incroyable. Il a gardé cet esprit de faire attention malgré le fait qu'il ait plein d'argent, quoi. Le mec peut inviter 15 personnes à un restaurant, mais check la note. Pourquoi? Pas parce qu'il est radin, juste parce qu'à un moment donné, il n'a pas envie de se faire escroquer ou il n'a pas envie de se faire avoir. Iverson, il achetait des trucs à 100 000 dollars, des bijoux. Moi, je n'achète pas des trucs comme ça. Moi, j'ai juste ma maison, mes voitures, et puis après, tout le reste de mon argent, c'est soit j'aide ma famille ou je l'investis. C'est son dernier projet, un investissement familial. Dans quelques jours, il inaugure à San Antonio le Nueve, un club lounge dont il est propriétaire. Dernière vérification sur le chantier et réunion avec les employés et tout le staff. Les frères de Tony sont en charge de la bonne marche de l'établissement. Moi, quand je fais des projets, ça vient du cœur. Le bar, c'est vraiment un projet familial. C'est un truc pour aider mes frères. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. I just want to welcome everybody. It's a big project, obviously, for me and my family, my brothers. A family project. And try to do something different. The Spurs is behind that project. So in the grand opening, my whole team is coming. It's becoming a team event. So Pop is behind the project. So I'm good, I'm safe. You know, if Pop is happy, then we're good. Il fait son calcul. Il sait combien ça coûte, il voit le taux de rentabilité, mais avant de s'investir, il a quand même fait une étude de marché. It's very important that you represent
myself and the Spurs and everybody who works like first-class organization. The Spurs is a first-class organization. They've been working very hard to have a very good image. And so I want to do the same thing here with the bar. We have to keep the same high standard and the same image. Like that, I don't get in trouble, you know, because I want to keep play for the Spurs. You'll be ready on time for the bathrooms? All right. They're ready. They're ready? And then you're going to paint it? You're going to paint that shit too? Well, do you want those painted? Oh, wait, no, yeah. I don't know. So if we're going to do something different, let's think about it. Yeah, the mirror is going to be hot. That's a good idea. Dude, that depth is awesome. Mm. What's the color over there already? We're going to keep it here. This? This? I don't want to combine it. What you mean? If we paint it, I want to paint it something different to where it just separates these two. You want to break it? I want to break it. And we're going to keep the same color towards the... We can take it all the way back here. Yeah, all right. Sounds good. Pointilleux et exigeant, dur sur le terrain comme en affaires, Parker s'investit dans différents domaines avec réussite. Son après-carrière, il la voit dans le basket avec le club de l'ASVEL dont il est président, et peut-être un jour, il ouvrira une nouvelle parenthèse musicale. La première fois que j'entends parler de son projet musical, je me dis « Pourquoi ?» Après ta carrière, pas maintenant. Fan inconditionnel de hip-hop, Tony sort en 2007 son premier album de rap. Il s'implique dans tous les domaines de fabrication et les rappeurs Booba et Soprano l'accompagnent sur quelques titres. Une sortie musicale critiquée forcément, mais Parker est allé au bout de ses convictions. Je lui ai dit quand j'ai écouté son album, bon, ça passe, mais c'est pas l'album de l'année. Mais c'est quelque chose que je respecte parce que le mec a quand même fait ce qu'il avait envie de faire et puis il s'est investi à fond. Ça m'a pris beaucoup de temps et ça devenait plus trop compatible avec ma carrière de basketteur et l'équipe de France parce que l'équipe de France, ça me prend beaucoup de temps l'été. Il l'a pas fait pour être reconnu dans le monde de la musique, il l'a fait pour se faire plaisir. Donc tu peux pas lui enlever ça. Et donc après, je me suis dit, bon, bah, je vais mettre ça un peu de côté et on verra plus tard. Parker est à la tête d'un petit empire. Il contrôle et mène sa vie depuis ses débuts en professionnel comme bon lui semble. Et une chose que personne ne peut lui reprocher, c'est qu'à chaque fois qu'il s'investit, il le fait à fond. Parker a ce regard froid, impénétrable, qui le caractérise souvent, l'image de la star inaccessible. Mais quand vous vous retrouvez vraiment tout seul avec lui, vous découvrez un être à l'extrême opposé. Et ces moments-là sont assez surprenants. It's funny how when I ask you if you had a good time in a good party, you talk business and money. It's so funny. I'm talking about you. Did you have a good time? À San Antonio, tout le monde l'aime. Il est passé en quelques années du statut de petit chouchou français à celui de star, d'ambassadeur de la ville, comme Ginobili et Duncan, ses coéquipiers. On est un peu tout quand même pour la ville. Il n'y a pas d'équipe de hockey, il n'y a pas d'équipe de baseball, il n'y a pas d'équipe de football américain. Donc on va dire, ils vivent et ils meurent avec nous. Et tous ceux qui viennent à San Antonio, généralement, ils finissent leur carrière et après ils décident de vivre ici. Parce que c'est une ville très très sympathique, il fait tout le temps beau, le climat il est génial. Et pour construire une famille ici, c'est quand même une ville assez parfaite. Et donc c'est vrai que Bruce Bowen, il est resté, David Robinson, il vit ici, Michael Finlay, il vit ici, Robert Horry et Tim Duncan, lui, il vivra ici. Moi, je vais rester ici après ma carrière. C'est vraiment, je sais pas, c'est dur à expliquer ce qui se passe ici. Notre équipe est spéciale. Les Spurs, c'est vraiment une organisation spéciale. C'est rare qu'une équipe reste avec trois joueurs qui sont là depuis 10 ans et le même coach. Je sais même pas si ça a déjà existé dans l'histoire du sport, je sais pas. Effectivement, on n'a jamais vu ça dans les sports majeurs, autant de fidélité et de longévité. C'est le secret de fabrique des Spurs. Un système de jeu bien huilé autour d'un triumvirat de joueurs que sont Duncan, Ginobili et Parker comme chef d'orchestre. Depuis 15 ans, San Antonio s'est toujours qualifié pour les playoffs.
Cette réussite des Spurs et la progression de Parker, on les doit à cet homme, à ce coach, Greg Popovich, en place depuis 1996. Bien sûr, c'est lui qui crée ce sentiment d'esprit de famille et que les Spurs, c'est important. Ça commence avec lui, hein. C'est lui le boss. Et après, Tim, Manu et moi, on est là pour être sûr qu'on continue la tradition des Spurs. Au lendemain d'une nouvelle victoire pour les Spurs, Tony inaugure son club, le Nueve, à quelques minutes de son domicile. Limousine pour cette soirée de gala et tapis rouge pour accueillir ses coéquipiers et ses invités de marque, comme Fat Joe, le célèbre rappeur, qu'il avait rencontré en France il y a un an et demi. He did a huge performance in Paris, like one of the biggest clubs, and it was unbelievable. And wow. I was over there with my French teammates and Chris Paul, and he rocked it. Wow. And so when I had the idea to do Nueve Lounge, I was like, I have to invite Fat Joe. He did it big in Paris, so I'll do the same thing tonight. And we gonna rock it here tonight. And we hear you rap as well, right? You gonna be rapping tonight? No. I'll let the professional do it. I'll play basketball, I'll let the professional now, do it. All right, now, you're gonna be dancing a little bit for us? Oh, definitely, I'll definitely all do right. it. All right, give us a little something. When that lean back's gonna come, now you're like, everybody, come on. Hey. T. Hawker, we have to do one picture, all man. Right, you can't Parker, go, we have to do one picture. Hey, do one picture. Thanks for coming, appreciate you. So all right. Dress for pictures. This for me, I'm gonna do a wall of fame. Let me make sure you go straight to the VIP thing. Where is that? Hey, TJ, can you bring TD to the VIP thing? Hey. Thanks for coming. Thank you very much. How thank are you for supporting us. Good, I'm doing great. I'm doing great. Give me a move or something. Give no, not right now. I need to get okay, a couple glass of wine. Not too Tell much, me. Pop, don't worry. A couple glass of wine and I'll be dancing. Right, because it's a Monday night and y'all have a game when tomorrow? No, Wednesday. All right, Wednesday. So okay, good. I'm going to pass it to you. Thanks for coming. Appreciate that, brother. Appreciate that, brother. I got that, brother. Bruce bought me my first tie, my first suit, and everything. I was wearing like jeans all the time and those big t-shirts. And the first road trip, I was 19, you know, I didn't have a lot of money, so Bruce took me to the shop, to the store, and it was like, there you go, Bruce, there you go, T. And he brought me like, I don't know, $2,000 of clothes, like suits and everything. He take care of me. What did I tell you? And then he say, you can keep the money. I say, when this next young guy come, I have to pay for the next young guy. We'll go inside. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Let's start the performance. What time it is? What time? Oh, Fat Joe. Tonight. So hopefully you will enjoy this new place and we'll start the performance. Fat Joe is going to perform live. So thanks for coming everybody. Thank you. Good
Tony a cette capacité à se remettre très vite au travail. L'entraînement, il y a pris goût depuis son arrivée en NBA. Mais le plus surprenant, c'est de voir l'étrange, voire troublante similitude à l'image entre ce Parker de 2003, année de son premier titre, et celui de 2012. Là, on se croirait dans les films, empreinte digitale, comme dans les films. Mais bon, des fois, ça met longtemps à marcher, tu vois. C'est pas très efficace. Pas trop d'eau. Bon, alors ici, c'est notre salle d'entraînement. On a deux terrains. On a six paniers. Aujourd'hui, c'est jour de repos. Mais Parker est venu pour une séance de tir sous les ordres de Chip Engeland, entraîneur adjoint et surtout grand spécialiste du shoot. C'est lui qui a aidé Parker à franchir un palier. En 2005, j'étais capable de faire des matchs à 30 points, mais après, le lendemain, mettre 8 points parce que j'étais pas assez régulier avec mon tir extérieur. Et donc, les Spurs, ils ont engagé Chip, qui a travaillé avec Steve Kerr et Grant Hill pour me faire passer à l'étape supérieure pour être All-Star. The first questions we talked about is... How good do you want to be? Do you want to be great? Or you just want to be good? There's a big difference. And the work, always striving to improve. The best thing is you wanted to improve. That's the big deal. Not everybody wants to. They may say they want to, but they don't know what that means. Because with improvement comes successes and failures. We've had plenty of ups, but we've had our downs too. J'avais pas peur. D'être pas bon pendant un certain temps pour être après encore meilleur. J'avais pas peur de ça. Et quand t'as envie de faire partie des meilleurs, et bah des fois, il faut faire des sacrifices. Et je pense que ça, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises pour changer ma technique et ne pas avoir peur de ne pas mettre de tir pendant 3 mois parce que je savais que ça allait m'apporter après. There's no substitute for getting repetitions. Practice. Je prends à peu près 200 tirs par jour. Je tire beaucoup de lancers francs. C'est important, hein. C'est de la répétition. And I do believe that, Tony, you've done your best job this year of thinking of your next shot instead of thinking of your last shot. Much better. Yeah, your technique was here, and then the mind catches up with the body. Great job. C'est à partir de ce geste-là, le tir drop, inventé de toutes pièces par Tony, que Chip s'appuie pour améliorer le tir traditionnel, le jump shoot du français. On his jump shot, it was here, and on his teardrop, his thumb was wide for more control. So it made him very comfortable to say, on your jump shot, let's just spread out your thumb so I have more control on my jump shot as well as my great teardrop. I have nothing to do with Tony's teardrop. He had the unbelievable timing and touch before I met him. So we knew we could help his jump shot because he had an unbelievable touch. So we practiced a lot of one hand. C'est comme il a expliqué, avant je shootais comme ça, mon pouce il était trop près et il voulait que je l'écarte pour que je shoote comme mon tir drop pour laisser de la place en dessous. Et on a fait ça pendant les 2 premiers jours, j'ai shooté que à une main. Et petit à petit on reculait jusqu'au lancer franc pour que ça vienne naturellement. And then just back up and end up at the free throw line. How many free throws I made in a row, first time I did that? First day, one hand or 67? 67. One-handed. So that helped his belief that good things could come. Didn't I believe in Chip when I... Yeah. It's amazing about your... It's not just the touch, it's the timing of when to shoot the teardrop. The touch is one thing, but he also has the timing to shoot it at the proper time. That's the hard part. You can have the touch, but if you don't have the timing, you know exactly how much to do it to beat the giant trying to block your shot. Je crois que le plus beau, c'est playoff 2004 en demi-finale, on joue contre les Lakers. Je cross Devin George et après je mets un tear drop sur Shaq. Oh,
après en finale aussi 2003 où je pars à gauche, je fais une feinte sur Jason Kidd et Jason Kidd il saute. Et après je fais mon tir drop. C'est les deux actions qui viennent tout de suite sur mon tir drop. Il y en a un aussi en 2003, je fais un tir drop pour la gagne, pour gagner le match. Et c'était une des premières fois que je mettais un tir pour gagner le match contre Dallas. Et t'as Nowitzki qui fait 2m15 et Sean Bradley qui fait 2m30 qui va essayer de contrer mon tir drop et ils loupent tous les deux et les deux ils tombent par terre. Et puis moi je suis comme ça et on gagne le match. How early do you remember the touch on your... Pretty early. 10 years old, 11 years old. I got some highlights of me doing triples when I was 10. Yeah. That's so small too. I was like very small. So you had to get it. I had to do that too. That's great. It came early. I've seen some college players with it, and it's from watching Tony and a couple others in the NBA that have it. It's such a vital shot. Yeah. Mon tir drop, tout le monde me connaît pour ça. Pendant le All-Star Game, LeBron James, je l'ai entendu sur le banc, il fait un tir drop de la ligne des 3 points, c'est rigolé. C'est, moi, mon tir drop, c'est ma spécialité. Et maintenant, c'est marrant de voir Chris Paul faire ce tir-là. Maintenant, je vois Derrick Rose aussi faire mon tir drop, il fait exactement de la même façon que moi. Donc c'est marrant de voir maintenant les jeunes meneurs utiliser mon tir drop et ils sont devenus très très forts aussi à ça. Tony Parker aurait été peut-être meilleur à Chicago, Los Angeles ou à New York. Nul le sait. Mais a-t-il déjà pensé un jour à partir ? Quoi, tu y penses de temps en temps, mais quand tu penses, tu prends le pour et le contre et tu dis à la fin de la journée, moi je suis bien ici, je suis bien et j'ai envie de rester loyal. Et j'ai pas besoin d'être connu à New York pour que je sois heureux et satisfait en tant que basketteur et dans ma vie personnelle. Jamais de ma vie, j'aurais pu imaginer que je deviendrais All-Star et que je serais meilleur joueur des finales et qu'on gagnerait 3 titres. Ça, jamais j'ai rêvé de ça. Moi, je rêvais juste de... Je voulais jouer en NBA. Il n'a pas le droit à l'erreur. Il n'a pas le droit de nous faire un match... moins bien parce que du coup on est déçu et t'imagines la pression que ça engendre. Aujourd'hui il est habitué à cette pression parce que dans sa tête il est déjà aussi dans cette compétition de aujourd'hui il faut que je gagne, aujourd'hui il faut qu'on notre équipe, va falloir qu'on se défonce, il va falloir qu'on arrive à un certain niveau. C'est le basket, c'est pas que personnel, mais malgré tout quand on voit Jordan, quand on voit Bryant ou quand on voit des meneurs comme Parker ou Chris Paul, les mecs ils ont un mental d'acier quoi. Et il faut avoir un mental de fou pour rester à niveau. Mais voilà, le problème avec ce joueur, c'est qu'il ne veut pas rester à niveau et en veut toujours plus, être le meilleur. Contre New York, ce soir-là, Parker est tout simplement inarrêtable et nous livre un nouveau récital. Un système de caméra en NBA a flashé le Français à plus de 33 km/h balle en main, ce qui en fait le joueur le plus rapide de la ligue. Et forcément, le jeu des Spurs s'en ressent. Tony réalise une performance digne d'un MVP. 32 points et 6 passes décisives. En coulisses, la performance individuelle de Tony, en plus de la victoire, ne semble pas vraiment détendre le coach. Is Tony kind of the ringleader for that earlier with his Tony's aggressive? Tony's been our ringleader all year long. It's been tough all year long. Quand tu joues pour Coach Popovich, il faut faire beaucoup plus que ça pour l'impressionner. Et donc moi, je ne sais même pas que je suis dans la retenue, c'est que moi, même moi, j'attends à faire des performances comme ça tous les matchs. Les médias sont déjà dans le vestiaire pour recueillir les premières impressions de l'homme du match, le leader des Spurs. Nous, on veut gagner le titre. Donc, c'est pas une victoire contre New York. On va pas s'enflammer à San Antonio. À San Antonio, depuis que je suis arrivé, c'est toujours le titre, l'objectif. Et on sait que la route, elle est longue. On a déjà réussi à gagner 3 championnats. Donc, on sait ce qu'il faut faire pour gagner un titre.
Et donc c'est pas un match ou une semaine où on joue bien, ça y est, on s'enflamme à San Antonio, c'est pas comme ça. Et puis pop, il te remettrait tout de suite dans le droit chemin. C'est ainsi que Parker a grandi, sans s'écarter de son chemin, depuis son premier titre NBA en 2003. What is the relationship with you guys? I mean, two years. I mean, was this supposed to happen? The fact that a second year point guard wins an NBA championship. We have baked him in the oven very quickly, and the worst part about it is he's already starting to treat me like Avery did. He's coaching me now, telling me what to do like Avery did after a lot of years, and he's already doing it after two. So I'm in trouble from now on. What's this been like for you and your relationship with him? It's I don't know, is it up, is it down? I mean, it's always, he seems to just push you 24-7. Who is this guy? He's like father and son, you know, he's always pushed me hard, you know, I think he's great for me because, you know, when you're young, you kind of tendency to be lazy, you know, and he's always behind me, push me hard, you know, and it's just the beginning. We got three or more, four championships, you know, it's just the beginning.